qu'on me donne l'obscurité, puis la lumière. Qu'on me donne la faim, la soif, puis un festin. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire, que je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, que me donne l'exil et que m'enferme un an pour rêver à des femmes. On m'a trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir, et le plaisir aussi. Oh, qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie, qu'on allume ma vie. Me donne la haine pour que j'aime l'amour. La solitude aussi pour que j'aime les gens. Pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère pour respecter l'argent. Pour que j'aime être sain, vaincre la maladie. Qu'on me donne la nuit pour que j'aime le jour. Qu'on me donne le jour pour que j'aime la nuit. Pour que j'aime aujourd'hui, oublier les toujours. On m'a tout donné, bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir, et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie. On m'a trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Oui, toutes ces choses qui avaient à appris et qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. On me donne l'envie, l'envie d'avoir envie pour allumer ma exceptionnel. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci Christophe, merci Pascal, merci Patrick et merci Johnny. Que des gens quand même. Ah, c'est magnifique. Merci beaucoup. C'est merci à vous. L'ouverture dont on rêve pour cette fête de la chanson française. C'est la 4e édition. Merci à vous d'être là. C'est un carré d'as, je le disais, mais j'ai pas encore abattu toutes mes cartes. Vous allez le voir, c'est une soirée qui sera pleine de moments très forts, puisqu'on va vous raconter une histoire exceptionnelle. C'est l'histoire de votre vie à travers toutes les chansons que nous avons aimées. Et celle-ci, L'envie, en fait partie. C'était en 86.
C'était Jean-Jacques Goldman. Et c'est une très belle chanson. Alors, merci Pascal qui va aller rejoindre ses fans. Merci. Merci Patrick. Merci, bonsoir à tous. Vous allez tous les deux en coulisses pour rejoindre tous les artistes. Et puis, je garde Christophe et Johnny avec moi. Johnny, vous aimez bien partager la scène, hein, je vais craquer. Partager la scène avec d'autres artistes, c'est agréable. Ah, moi j'adore ça parce que c'est un moment de partage extraordinaire. La personnalité et le talent de chacun qui ne font plus qu'un finalement pour le public, pour faire plaisir au public. Avant de remonter le temps pour ces 40 années de chansons, on va voir quelques images absolument extraordinaires de duo de Johnny. Vous êtes le petit nouveau là qui chante avec Johnny, c'est la deuxième fois. Mais petit nouveau, mais pas le moins. Ouais. Hein, quand même, je voudrais qu'on commence avec Catherine Ringer et avec son complice Fred Chichin qui nous a quittés beaucoup trop tôt. C'était le 28 novembre dernier, une disparition qui tourne définitivement la page d'un des plus grands groupes de rock de ces 20 dernières années. C'est d'ailleurs, Lerita Mitsuko. Je voudrais le saluer de la part de Christophe et de la part du public. On va l'applaudir très fort. Quoi ma gueule, une version incroyable avec Catherine Ringer et Fred Chichin. Voici quelques-uns des plus magnifiques duos de Johnny. C'est des bons souvenirs, tout ça? Ah, ce sont pas que des bons souvenirs, ce sont des souvenirs inoubliables. D'avoir la chance de chanter avec des artistes qu'on aime bien, devant un public toujours aussi formidable. Alors, Johnny, on a vu un aperçu de votre carrière, mais elle a commencé bien avant et ça tombe bien puisque ce soir, la fête de la chanson française fête 40 ans de chanson, 68-2008, à partir de cet anniversaire du mois de mai 68. Mais aussi, on va remonter un petit peu dans les années 60. Est-ce que vous vous souvenez, en 1960, enfin dans les années 60, comment on surnommait Johnny Hallyday? Les gens l'appellent l'idole des jeunes. Il en a même qu'il en savent pas dans la vie que parfois ils s'ennuient. C'est
c'est une nouveauté dans la fête de la chanson française. C'est le groupe de Nicolas Hulman et les Solutions. Alors, Johnny, l'idole des jeunes, une chanson de vos débuts. On me dit que vous les aimez plus beaucoup maintenant, c'est vrai ? Non, c'est pas vrai, non. J'aime bien les chansons des débuts. Simplement, c'est que moi, j'aime bien avancer dans la vie. J'aime bien avancer dans la musique. La chanson, la musique, elle a évolué. J'aime bien évoluer avec. Et ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est plus ce que j'ai fait il y a 40 ans. Mais j'écoute toujours avec beaucoup de nostalgie, beaucoup de plaisir les chansons des années 60. C'est ce qu'on va faire ce soir en tout cas. À l'époque d'ailleurs, votre musique choque. Je sais que votre disque a été le premier qui a été cassé sur l'antenne d'une radio par Lucien Maurice, parce qu'il disait qu'on n'entendrait plus jamais parler de vous, tellement vous n'aviez pas de talent. Ça fait mal quand on entend ça. Vous savez, on a cassé aussi le disque d'Elvis Presley comme ça à ses débuts, en disant que plus jamais on entendra une musique de noir jouée par un blanc. Et Presley a été Elvis Presley. Vous avez eu un peu un passage à vide quand même hein, dans les années 60. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que vous vous relevez à travers la chanson avec un album sublime dans lequel on trouve entre autres ces deux titres-là. Dans ces noirs, il n'y a plus d'espoir. Tout c'est gris et c'est fini. Oh, 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 oh. Ça me rend fou. J'ai cru à ton amour et je fais tout. Vous n'étiez pas né dans ces années-là. Vous les connaissez quand même, toutes ces chansons ? Bien sûr que je les connais. J'ai grandi avec, de par mon père qui écoutait ça à la maison. Et puis voilà, c'est vrai que c'est des musiques intemporelles, quoi, qui sont là depuis des années. Et je pense qu'elles ne cesseront pas d'être écoutées, quoi. Alors, je parlais de l'album de Johnny, Génération Perdue, après ce petit passage à vide. Gainsbourg, lui aussi, il a eu un passage à vide et c'est dans les années 60, un titre qui va le relancer grâce au concours de l'Eurovision. Il écrit « Poupée de cire, poupée de son », c'était pour France Gall. C'est un immense tube en 1965. Ce soir, ce sont les idoles des jeunes de l'année 2008 qui vont la faire revivre pour nous. Rose, qui avec La Liste et Ciao Bella est disque de platine, 330 000 exemplaires vendus. Et Jennifer, qui vient de sortir son nouvel album. C'est un duo de charme ce soir dans la fête de la chanson française. Et c'est « Poupée de cire, poupée de son ».